Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date, samedi 12 septembre 2015, précisément 9h-10h à la montre. Nous sommes à Divo. Voilà pour vous partager une exclusivité du bitume qui a été fait au niveau de Divo. Nous sommes ici à la station totale vers la CIE. Vous voyez, dans le temps ici était vraiment plein de poussière. Vous voyez la gendarmerie. Allons-y, la gendarmerie de Divo. Voici ce qui a été fait à Divo. Après grémir nos prières, tout ça, voici ce qui a été fait au niveau de Divo. Voici le bitume, vous voyez, pour ceux qui connaissent Divo, devant la gendarmerie, c'était vraiment des nids de poules, la poussière. Voilà, donc voici un peu le bitume. Voilà, donc là où est comme vous, la sorcellerie est franchement combattue, n'est-ce pas, le développement s'installe. C'est ce que nous retenons de tout ça. Nous avons mené un combat et chaque jour nous prions pour que la vie de Divo soit bitumée. Voilà, donc, parce que la route précède le développement. Et nous savons que la présence des sorciers, là où est la sorcellerie, le développement pénètre difficilement. Donc, voici aujourd'hui ce qui a été fait. Nous en profitons pour dire merci au président de la République, au conseil régional de Divo, maire de Divo, et monsieur le préfet de Divo. Voilà, voilà, parce que c'est vrai que nos prières, en même temps, c'est eux que Dieu Seigneur aussi a utilisé pour apporter le bitume, le président de la République. Voilà, donc voici un peu, voici le travail ici. Nous sommes à la rue des Banques. Oh, pour ceux qui connaissent cette rue, ils savent bien que c'était une rue où il y avait plein de poussière. Ouais, plein de poussière. Voilà, voici un peu la rue des Banques. La rue des Banques de Divo. Voilà, donc voici un peu. Voilà, voici un peu le développement qui est en train de pénétrer à Divo. Le développement de Divo. Vous voyez un peu la rue des Banques. On rentre à droite. Voilà, vous voyez un peu ici, après ce carrefour-là, vous rentrez ici, le marché. Et dans le temps, dans le passé, c'était une rue ici vraiment pas possible. La poussière, regardez le marché, la voie du marché de Divo, regardez le miracle du Seigneur. Voilà, voici le marché bitumé, cette rue est bitumée. Voilà, c'est le marché de Divo. Et regardez cette voie qui était auparavant sans bitume, qui aujourd'hui bitumée. C'est un puissant témoignage à la gloire de Dieu. Voilà. Et parce que là où la sorcellerie est combattue, le développement pénètre parfaitement. Voilà. Donc voici un peu le travail. J'en profite, comme je disais, merci au président de la République, merci au maire de Divo, et merci au président du conseil régional, Zakpa Kobena, et merci au préfet. Voilà, voici le développement. Pour dire Divo en train de se relever, Divo était en train de se relever. Divo qui était vraiment assombri et tout ça, le Seigneur entend de délivrer Divo. Et ça, c'est un puissant témoignage. Voilà, voici un peu. Voilà, c'est bitumé. Or, ici, auparavant, c'était vraiment grave la poussière. La poussière, et voici le miracle de Dieu. Et là où la sorcellerie est combattue, comme je disais, le développement pénètre parfaitement. Voilà, voici un peu le miracle de Jésus. Toute la vie de Divo est bitumée. Toute la vie de Divo est bitumée. Nous bénissons le Seigneur, nous le rendons toute la gloire pour ce miracle. Voilà, pour ce miracle parfait. Parfait. C'est ça l'Église. L'Église doit, n'est-ce pas, éclairer le monde. L'Église doit prier. La Bible que là, si tu es dans une nation, dans un pays, il faut rechercher la paix du pays. Pas des troubles, il faut rechercher la paix du pays. Et c'est ça. Nous recherchons le développement de nos régions. Nous, pour nous, il faudrait que la sorcellerie cède la place, n'est-ce pas, à la vie. Parce que là où est la sorcellerie, c'est la mort, la sorcellerie, les blocages, les difficultés. Et quand la sorcellerie est combattue, n'est-ce pas, le développement s'installe. C'est du concret. Voilà, c'est du concret. Voilà, voici le bitume. Et ça, tu vois là, elle met directement la gare. Elle met directement la gare de UTB. Voilà, ceux qui connaissaient cette voie savent bien qu'elle était vraiment dégradée. Il n'y avait pas de bitume. Elle va tout droit vers la gare de UTB. Vous voyez, tout droit là-bas, voici UTB. Vous montrer que c'est de la vie de Divo. Voici tout droit le bitume de Divo. Vous voyez, ils sont en train de casser pour faire l'autoroute. Ils sont en train de casser. Voici là, voici UTB. Voici à droite. Voici UTB. Voilà, voici la gare d'UTB. Voilà, voici la gare d'UTB. Mais regardez, à l'opposé de la gare de UTB, le travail est en train de se faire. Ils sont en train de agrandir la voie. Ils vont agrandir cette voie-là. Voilà, voici, vous voyez, la ville même en chantier. La prise, voici une machine. En train de travailler, la ville est en chantier. Voilà, la ville est en chantier. Voilà, voici ça. La ville est en chantier. Voilà, ils ont cassé, bordu, sont en train d'arranger. Vous voyez, pour agrandir la voie. Et cette voie la mène jusqu'à Gagnoua. Elle était vraiment petite, comme vous voyez ici.
ils sont en train d'agrandir la voie. Voici un peu le fruit de nos prières. Et nous nous sommes dédiés merci au Seigneur. Merci pour ces personnes qu'il a utilisées, telles que le président de la République, le président du conseil régional de Divo et en même temps le maire de Divo, le préfet de région. Voilà, donc voici un peu. Parce que nous prions pour nous. C'était l'objet de nos sujets. Il faudrait que Divo soit habité. Mais vous voyez ici, c'est la voie de la mairie. Voilà, la voie de la mairie. Vous voyez qu'ils ont agrandi cette voie. Ils ont agrandi cette voie. Voilà, vous voyez, le topographe, ce que vous dites, le travail continue. Divo est en chantier. Voilà. Voilà, voici, vous voyez, les machines qui sont en train de travailler ici à Divo. Voilà. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, voici cette voie là. C'est qu'ils sont même en train d'électrifier même ce boulevard. N'est-ce pas? Voilà. C'est cette voie qui mène à la mairie, hein, de Divo. Voilà. Nous voici. Et l'œuvre accomplie. Bien sûr, au travers de nos prières, voici cette voie, la vie de Divo en chantier. Est en chantier. Voilà. Voilà, la ville de Divo. Ça, c'est Divo. Et pour tous nos amis internautes, c'est une belle ville, hein, d'ailleurs. Divo, c'est à 2 heures de route de. Voilà, voici la ville de Divo. Voilà, voici la ville de Divo. Voici, c'est la ville. Ça, c'est la mairie de Divo. Ça, c'est la mairie. Voici le posé qui est la station, là. Voici la mairie de Divo. Ça, c'est la mairie. La mairie de Divo. Voilà, là, c'est la mairie de Divo. Ça, c'est la mairie de Divo. Voici la mairie de Divo. Ça, c'est le rond-point de la plus palais de la justice. La justice de Divo. À droite. Voilà. Voilà, voici. Et cette voie-là même nous mène jusqu'au centre de prière Péniel. Et voilà. Ça, c'est la justice de Divo. Regardez cette voie-là, qui était dégradée. Elle est aujourd'hui bitumée. Voici cette voie-là. Dégradée et maintenant bitumée. Elle est vraiment bitumée. Nous remercions le Seigneur. Voilà. Merci, Seigneur, pour ce miracle parfait. Voilà. Voici cette voie-là. C'est un puissant témoignage. Un grand. Voici le stade de Divo. Voilà, voici le stade de Divo. Et voici la porte de Divo. Ceux qui connaissent Divo vont reconnaître ici. Bah, voici la voie là. Elle était vraiment dégradée. Et voici. Le constat est fait. Les choses commencent à être bien à Divo. Parce que là où est la présence de Dieu, voici comment le développement entre. Voilà, voici le développement. Ils ont fait la ville. Ça ne fait pas un mois que le bitume a été fait. Voilà. Nous revenons encore sur nos pas. Voilà, ça c'est la station totale après la gendarmerie. La station totale. Et nous avons juste à côté la gendarmerie de Divo. Divo. Et voici. Voici. Bénissons le Seigneur pour ce miracle. Tout droit. Voilà, tout est fait à Divo. Un puissant miracle de Dieu à Divo. Ça, c'est la rue des banques. Vous voyez même comme les bâtiments sont pleins de poussière. Plein de poussière. Pour dire cette voie, elle était pleine de poussière. Ça, c'est la rue des banques. Voici le miracle. Miracle de Dieu. C'est la rue de Divo. Ça, c'est la banque d'HBCI. La rue de Divo. C'est la voie qui mène dans le temps Sokosé Divo, mais maintenant c'est qui cache. Voilà. Regardez cette voie-là. La gare PG. Toute cette voie-là est bitumée.
même devant Kinkash, vous voyez, devant Kinkash, tout ça est bitumé jusqu'à Bada. Jusqu'à Bada, tout est bitumé, tout est bitumé, tout est bitumé. Oh, attention! Comment faut regarder? Allons un peu, allons un peu, allons un peu, allons un peu. Allons, allons. Dégradé. Voici la voie de Didoko. Cette voie elle était dégradée. Voilà. Voici la voie de l'âge. Depuis notre présence dans cette région, ma voiture est gâtée deux fois ici. Hein. Voilà, donc voici, la voie est faite. La région de Kir est libérée, ça c'est important pour nous. C'était pas normal que cette voie soit encore dégradée. Vous voyez, elle vient d'être faite. Nous sommes dans cette région, ça fait pratiquement 3 ans. Voici le travail fait spirituellement parlant. Filme devant, s'il te plaît. Voici le travail fait. Enfin, de quoi faire? C'est un miracle de Dieu. Voici ce que l'évangile peut apporter à une région. Quel ministère puissant est dans une région? Voici le résultat, le fruit, le développement, les choses qu'on ne pouvait pas faire, comment ça a été refait. Et cette voie était difficile de la refaire parce qu'il y avait des esprits ici, il y avait des esprits qu'ils ont chassés. Et Dieu merci, aujourd'hui on peut partir à Irée sans problème. Voilà. Pour nous, c'est une grande victoire. Parce que dans les avis des sorciers, ont même dit qu'ils avaient bloqué cette voie. C'était la boue. Ici, tout ici était la boue. Tout ça était la boue. Tout ici était la boue. C'est une victoire, hein. C'est une victoire de Jésus-Christ sur les ténèbres. Ça, c'était la grande voie de la victoire de Didoko. Voilà. Aujourd'hui, tout est refait. Nous ne pouvons que venir devant le Seigneur.
tu arrives ici, tu fais du poussin. On connaît pratiquement 30 minutes ici, dans cette zone-là. Si c'était toujours à plein d'eau. On peut voir le temps tout là-bas, ouvert en plus, voir dans la brousse. Dans la brousse, pas passer. C'est ça la mission de Dieu. Nous, notre ministère, c'est peuple de Dieu. Bon, là, vous venez de vous dire, vous pouvez venir pratiquement. Parce que là où est la présence de la sorcellerie, c'est anti-développement. Nous bénissons le monde. Notre Dieu, pour la victoire, c'est le ministère. Oui, c'est pour vous parler juste de la nouvelle voie. Or, la route précède le développement. Donc, c'est la nouvelle voie des Aropos. Pour dire que la vie est rentrée pleinement à Zaropo, maintenant il y a la vie, il y a, il y a le développement. C'est un signal très fort sur la nouvelle voie de Zaropo, ça. Et vous verrez tout à l'heure les images de l'ancienne voie. Voilà, donc c'est la nouvelle voie de Zaropo. C'est ici la quelle porte. Voilà, c'est la nouvelle voie de Zaropo. On y va.
Là où tu as écouté la foule, donc toi-même, il faut commencer à prendre la foi de Dieu ensemble.